Si tu aimes le contenu et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Le petit pouce aussi. Salut les gens, c'est Cosplay, nous voici de retour sur Chante au Scénar. Et nous sommes de retour dans ce souterrain que nous avons réussi à infiltrer en suivant cette dame qui est en train de verser de l'eau, peut-être même de la citronnade, on sait pas trop, dans cette carafe pour aller servir les élus. Est-ce qu'ils se doutent qu'elle récupère l'eau des égouts? On sait pas trop. Est-ce qu'on peut interagir avec des trucs? Oui, il y a une porte ici et une là. Très bien. Ah, un téléporteur. Parfait. C'est marrant comment ils ont... ils ont mis des bougies autour comme si c'était un lieu de culte. Peut-être qu'ils n'ont pas conscience que c'est... Oh, il y a un puzzle en plus. Que c'est technologique. Ouais, ça fonctionne peut-être pas en fait. Ah, il y a un genre qui parle. Mais il y a personne à qui parler, le pauvre. Et c'est un garde en plus. Oh. Est-ce qu'on peut finir éventuellement d'autres conversations avec ce qu'on a trouvé entre temps? Genre ici, on était pas mal. Les dévots créent de la musique. En fait, ils veulent dire aux gardes qu'eux, ils sont capables de faire de la musique. Donc les dévots, il faut mettre les. Dévots, c'est les impurs, selon les gardes. Font, fabrique, musique. Alors on dit que les dévots sont capables de faire de la musique, ok. Les guerriers aiment la musique. Ah, voilà. Donc ben, c'est cool. En fait, on est Google Translate pour eux. Donc, guerriers sont... Alors, les gens, c'est ça. Donc, guerriers, c'est eux. Hop, les guerriers aiment. Et mais, ça fait longtemps que j'ai pas parlé le langage des veaux. Je me souviens plus trop des termes. Musique, voilà. Je crois qu'on a finalisé la conversation. Oh! Quelque chose a changé dans la tour. Ah! On peut réexplorer des zones. Peut-être qu'ils ont ouvert la porte. Ah, je serais curieux d'aller voir ça. C'était où déjà le téléporteur pour la porte? Je crois que c'est l'un des premiers que j'ai trouvé, non? Si ce n'est le premier. Oui! La porte est ouverte. On a réussi à faire en sorte que les gardes, les guerriers et les dévots fassent une alliance. Petit pomme mignon, ça. Ils arrêtent leurs bêtises. Est-ce que moi je peux passer sans me faire arrêter maintenant? Ouais, ils sont plus méchants. D'accord, c'est cool ça. Ah oui, il y a des dévots ici aussi. Ah, ils ont vraiment arrêté de... Ou par contre, je me suis quand même déguisé en garde. Dans les endroits où ils ont pas droit d'aller, ils sont pas... J'ai quand même récupéré mon déguisement. Donc c'est cool ça, ils sont redevenus... ou sont devenus en tout cas alliés. Je sais pas s'ils l'étaient déjà avant. Mais bon. Je pense que tout ça, c'est parti d'une incompréhension. Et nous essayons de retour ici. D'accord, bon, c'est sympa comme mécanique. Donc ça, c'est un puzzle, c'est ça? Alors, voyons voir. Ça, ça irait bien ici, éventuellement. Ça, ici, c'est pas mal. Là, parfait. Point, très certainement. Hop, et voilà. Bon, bah, décidément, s'ils étaient en train de galérer à résoudre le puzzle, on les a, on les a bien aidés. Je t'ai cherché, tu m'as trouvé. Oh, c'est beau. Toi, moi, miroir. Moi, toi, plante. Ah, c'est peut-être pas ça, alors. Tada! Merveilleux. 4 nouveaux mots. Très bien. On avance. Par là-bas, il y a quoi? On descend dans les profondeurs. C'est écrit quoi, là? Instruments pluriel. Ah! Donc ce sont les instruments. C'est ici qui font les instruments, quoi. Très bien. Ils sont réparés des arbres. Mais c'est qui ces gens, en fait, qui... Ces esclaves? C'est quoi ce délire? Je suis pas fan, hein, de l'idée, moi. Instrument, musicien. Est-ce que musicien c'est pour artiste en fait, c'est tout le monde en fait. On n'a pas la notion de musique. Bonjour, question, instrument, théâtre. Ah oui, donc musicien serait ça. Et théâtre, ce serait pour les masques. Ah oui, c'est ça. D'accord. Instrument, musique, comédie. Très bien. Petit à petit, on complète ce langage. Ah, on arrive ici, tiens. À l'extérieur, d'accord. J'ai bien visité d'abord les souterrains avant de ressortir. Peut-être qu'il y a moyen de... d'apprendre plus sur ces gens qui travaillent pour les élus. Ah, il y a une grille. Et on peut pas passer tant qu'on n'est pas à côté pour actionner le levier. D'accord. Et ça, c'est écrit quoi là-bas? On ne sait pas. Peut-être pour indiquer qu'il y a un accès sur un bâtiment qui est au-dessus. Et ça doit être le nom du bâtiment en question. Ah, il y a quoi de beau ici? On veut pas parler avec ces gens, à croire qu'ils veulent pas nous... Vous regardez... Ah, le symbole est ici. D'accord. C'est quoi alors? C'est un...
comment on appelle une zone? Un amphithéâtre? Un théâtre? Peut-être là ils font le théâtre. Ou alors un... Comment ça s'appelle aussi les endroits où les gens ils jouent de la musique dans les parcs? Je sais plus. Ah bah c'est quoi? C'est encore le même symbole ça, un théâtre. Ok. Ah, il y a des élus. Que se passe-t-il? Vous avez l'air inquiet. Moi, quelque chose. Moi, quelque chose. Ouais. Question. Toi, chercher. Ah, il a dû perdre quelque chose. On sait pas ce que ça veut dire. Il voudrait que je retrouve cette chose. Donc, c'est tombé dans les égouts. Ah, hein. Est-ce que je peux aider? Ah, bah, c'est là d'où je viens. Oui, je vois très bien où c'est. Il faudrait que je trouve moyen d'aller de l'autre côté. On a dit non, mais c'est parce qu'on peut pas le faire tout de suite, mais il y aura moyen de pouvoir redescendre dans les égouts à partir de notre chemin. Genre par là-bas. Ah, quelque chose d'éclair sur le panneau, ça m'intéresse. Ça on sait pas, ça on connaît pas non plus, d'accord. Soit qu'une fois qu'on aura pris le bateau. Mais peut-être qu'il y a moyen de redescendre par ici, non? Oh, il y a plein de choses dans le coin, c'est quoi ça? Si, d'accord. Très bien. On peut fabriquer des trucs? Non. Un marteau. Plutôt un maillet même. Oh non, ça ressemble aussi à un marteau. Hein. Marteau de Thor. Une perceuse manuelle. Très bien. Et une pince coupante. Du genre pour couper la tête des clous, non? Ah non, elle est pas coupante celle-là, d'accord. Et là, il y a des trucs aussi sur le... Le mur, d'accord, ah oui! Ah oui, il faut que je range les trucs, c'est ça? Ah, on a des noms en plus, super! Donc ça, ça veut dire marteau. Voilà, hop. Et celui-ci, ça veut dire... Pas moi, pince. Ça semble plus logique, hein. Et il apparaît pas. Je trouve pas. Ah si, c'est celui-là. Ah, parce qu'il y a une virgule, c'est pas dire que c'est le pluriel, je crois, c'est ça. Pince, il y a plusieurs pinces. C'est ça, c'est la notion de pluriel. Un marteau, des pinces, super. Et on voit pas ce que c'est écrit pour la scie. Très bien, par contre, on peut en prendre qu'un à la fois d'outils. Lequel pourrions-nous embarquer? Un marteau, c'est celui-ci. Pince, c'est celui-là. Et la scie, bah, ça doit être celui-ci. Hein. Je l'avais pas indiqué, mais... Ah non, c'est pas ça. On a dû le croiser au moins une fois, je pense. Ah si, c'est déjà. Je le croisais il y a longtemps. Ah mais oui, c'est marqué l'idiot à NC ou je sais pas quoi. D'accord. Donc peut-être qu'il faut qu'on prenne la scie. Peut-être une sorte de truc visuel pour faire genre on appartient à un groupe. Si on tient une scie, ils nous aiment bien. Un peu comme l'épée pour les guerriers, d'accord. On peut prendre le bateau. Ah, il y a une dame, j'avais pas vu. Une personne. Un marteau, il me manque. Ah bah voilà, c'est ça qu'il veut, un marteau. On aurait dû lui parler tout de suite, au moins on aurait su tout de suite. Il demande d'aller chercher. J'ai un marteau, le voici! Donné très cher. Il parle la même langue que les élus. J'avais peur que ce soit un autre peuple encore. qui travaille pour les élus, mais non, ça va, il parle la langue des élus. Après, ça se trouve, il parlait pas sa langue natale. Hein. Bonjour! Et toi, être? Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Élu, on l'a déjà eu, le mot élu. Hein. Ouais. Donc, ce serait quoi? Peut-être dévot? Parce que je ressens plus à un dévot, peut-être. Dévot, toi, être? Je sais pas. Allez, tu peux. D'accord, bah c'est très aimable de ta part. Je voulais justement voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il a réparé avec un coup de marteau quand même. Il est balèze, le gars. Il y a des poissons. C'est super beau ici en tout cas. Ça va traverser quand même des petites étendues d'eau. Y'a quoi d'autre ici? Non, y'a que rien. Y'a que ce portail là qu'on peut franchir. Très bien. Oh! Que font-ils ici? On peut leur parler? Non. Y'a un panneau. Théâtre. Quelque chose. Quelque chose. Ça, c'est le symbole qu'on a eu tout à l'heure, d'accord. On saura qu'une fois qu'on aura atteint la chose en question. Je parle pas à eux, non, ils ont pas envie. Ah, un souterrain. Je vais pouvoir redescendre dans les égouts. Oui!
Avec des chemins qui sont indiqués, d'accord. Et si on va vers le théâtre, donc c'est là où on doit aller. Peut-être par là-bas. Peut-être revenant aussi par ici. Oula, je suis perdu. C'est de suivre l'écoulement. Là, c'est écrit quoi, la théâtre? Ah, ça serait par là-bas. Pour l'instant, je fais que du pif. Hein. Et ça a l'air de payer, je trouve, non? Non, par là-bas, c'est pas le théâtre. Donc, c'est plus par là-bas. Il y a un labyrinthe sous la cité. Je crois que je suis perdu. Officiellement perdu. Peut-être par là-bas. Oui! Enfin! J'ai crapahuté par un petit moment, mais j'ai enfin trouvé le théâtre. Le pavillon. Je sais pas si on appelle ça un pavillon, là où les musiciens y jouent. Tac, une boussole. Ah! Ah, intéressant. Donc si le rouge indique le nord, nord est par là. Sud, est, ouest. D'accord. Est-ce qu'on peut essayer de... Oui, très bien. Voilà. Donc si on le met là, normalement, on est bon. Mais il y a ce symbole-là, je sais plus c'était quoi. Donc le piffer. Jusqu'à se retombe sur le bon. Parce que le monsieur nous avait dit, allez me chercher ce que j'ai fait tomber, mais on sait plus c'était quoi. Bon, il faudrait qu'on remonte là où le monsieur a demandé d'aller chercher le truc. On peut prendre un raccourci normalement en passant par là. Oh, ils sont plus là. Maintenant, je peux lui rendre. Ah, c'est une sorte de A. Un A avec un point. Il est où le A avec un point? Bah, je l'ai mis, donc c'est ça, c'est la boussole. Ah, donc je suis trompé sur les symboles, peut-être. Peut-être que leur nord magnétique n'est pas au nord. Il est peut-être particulier. Ce serait l'inverse, donc. J'inverse tous les symboles, hein, c'est ça. Ils ont une boussole inversée, chelou. Tada! On a complété, donc c'était bien ça. Donc me revoici ici, d'accord. Est-ce que je continue dans les égouts? Par contre, ces gens-là, ils actionnent manuel, c'est pour faire quoi? On dirait qu'il y a une sorte de courroie. Non, c'est quand même pas ce que je pense. Ah, c'est eux qui actionnent ça. Donc il y a deux personnes en souterrain qui actionnent un truc pour éventer les élus. Mais c'est quoi ce délire? Pas fan, hein. Pas fan de cette idée. Alors pareil, il y a quoi? Il y a une sorte de fille. Et là-bas, il y a une sorte d'algue. Une sorte de flamme. On va voir ce que c'est que ce symbole en forme de flamme. On bourrait les deux, là? Ah, carrément, hein. les dévots, pluriel, moi, être... Ah. Dévot, moi aimé. D'accord, en fait, là, il m'a parlé en parlant de un comme ça. Peut-être un fêtard, je sais pas. Oh. Une boussole pour passer, c'est ça? Question, comme il dit, toi aimé, question. Ah, il me faut peut-être un masque ou quelque chose comme ça. Je peux pas passer par là, c'est fermé, d'accord. Donc, c'est un cul-de-sac. Et si c'est quoi alors? Il parle de comédie. On va noter comédie pour pas oublier. Ce symbole-là a un rapport avec la comédie, donc c'est peut-être pas un théâtre. Hein. Là, c'est peut-être plus la musique. Hein. Demi-théâtre, comme c'est plus un. Ça a un nom, ça en plus. Un kiosque! Et ça, c'est un kiosque. Ah là, c'était coincé dans ma tête. C'est horrible. Il y a un kiosque. Je sais pas si c'est écrit comme ça. Je crois que c'est pas... Il y avait pas de K, hein. C'est QU. Ouais, c'est plus comme ça. Ouais. Très bien. Un kiosque là où les musiciens peuvent jouer dans les parcs. Oh, c'est cassé. Mais c'est passé ici. Je peux reconstruire le puzzle. Ah, mais c'est une boussole. Ça, je connais ça. Je sais plus où est le nord. Bah, c'est bien. Bonjour. Qu'est-ce qu'ils disent? Bonjour. Un guerrier, tu n'es pas. Toi, chercher. On sait pas de quoi il parle. Le petit H, on sait pas ce que c'est. Ah. Toi, chercher. Le guerrier, ça serait, je sais pas, moi. Jean. Jean, qu'on sait pas ce que c'est. Je mets ça surtout pour me rappeler que c'est dans ce contexte-là qu'ils m'en ont parlé. Pas Jean, toi pas. D'accord. Donc toi, tu n'es pas un Jean. Toi, trouver. What? Toi, pas trouver ce truc-là. Ce truc-là, on sait pas ce que c'est. Toi, pas trouver. Truc. Oh. Il y a encore beaucoup de mots qu'on ne connaît pas. Hein. Ils sont pas finis encore. Bah, dis donc, ils me racontent leur vie. Les gens
ne veulent pas me chercher. Dans genre, ou non, je ne veux pas chercher les gens, d'accord. La beauté, nous avons trouvé. Les gens sont des idiots, d'accord. Ils aiment pas les gens. Les gens, c'est peut-être des dévots finalement. Les gardes n'aiment pas les dévots non plus. Allez, donc il y a trois possibilités de direction. On va commencer par celle-ci. Ah, et donc on arrive devant une télévision. Super. Ah, mais c'est. D'accord, je connais ce jeu. Bien. Ça, c'est Flappy Bird, c'est ça, non? C'est pas un jeu qui a fait polémique parce que ça avait été un plagiat. C'est marrant d'avoir un plagiat d'un jeu qui avait fait un plagiat. qui était lui-même un plagiat. Je pense que je suis arrivé à la fin. Est-ce que je gagne quelque chose? Peut-être que le monsieur à côté de moi il va être content. Avec son chapeau de buffon. Ah, on va peut-être pouvoir rentrer dans le. Oui, le symbole derrière, comédie. Très bien. Merci beaucoup. J'ai pas regardé s'il y avait quelque chose d'écrit derrière la boussole. Toi et mes trucs. Comédie, toi allez. Bonjour. Ok. Et toi et mes trucs, on sait pas ce que c'est que trucs. Toi et mes. Je sais pas, moi. Pas la comédie, ce qu'on a déjà vu la comédie, toi et mes. Amuser. Oula, j'ai mis amuser, on sait pas. Toi et mes l'amusement, tout ce qui est. Il faut faire quoi là? What? Quoi? Quoi? C'est noir. Pourquoi il faut taper peut-être les masques un peu plus. Qui sourient pas, qui font la tronche. C'est-à-dire qu'ils sont noirs, non, maintenant on va peut-être éviter d'avoir des propos qu'on pourrait pas assumer derrière. Ils ont pas l'air gentils. Ah non, faut pas taper eux, d'accord. Je sais pas, ils ont. Peut-être taper ceux qui font la tronche. Faut pas taper en fait, simplement, il y a des endroits où il y a des pièges. Ceux qu'on sait qu'il faut taper, c'est ceux qui sourient pas. Il faut avoir des réflexes de dingue. Des fois, ça va super vite aussi. Voilà. Est-ce que je gagne autre chose? Un autre jeton? Non. C'était écrit quoi en fait sur le jeu? Je vais même pas regarder. Tellement focus à taper les petits bonhommes. Trouver l'idiot. Ah d'accord. Super. Et ici, il y a quoi? Ah! Non, c'est pas les gens qui cherchent la boussole par hasard? Ah, très bien. On nous demande de situer les endroits. Le kiosque, c'est ça. La comédie, c'est ce truc-là. Donc, le ça, c'est peut-être le moulin. Ça, je sais pas ce que c'est. Non. Voir ça, c'est la rivière. Et ça, c'est le moulin. Oui! Chemin. Pas une rivière, c'est un chemin, d'accord. Donc, pour moi, théâtre, agora, moulin. Très bien. Bon. On n'a pas encore vu le moulin. Ah bah on y est en fait. On n'a pas encore vu le théâtre parce qu'on n'est pas pu rentrer dedans. Bonjour messieurs, que se passe-t-il? Vous cherchez une boussole? On va chercher Jean. Le chemin je possède. Ah, il connaît le chemin pour aller à un endroit où il y a des gens. Il dit d'aller par là-bas. Toi nous amuser, c'est ça? Les gens sont en lien avec le moulin. On va chercher ce truc là, on sait pas ce que c'est. Un symbole qu'on ne connaît pas. Le chemin tu auras. Ah. D'accord. Il y a un genre qui s'est barré pendant qu'il disait ça, ok. Première fenêtre dans le coin, non. Ce monsieur il nous dit quoi avec son masque de lapin? Toi chercher les gens? Tu es un idiot. D'accord, il faut pas chercher ces gens-là, visiblement c'est pas des gens très sympathiques, ou alors en tout cas lui il a un jugement très. Très tranchant vis-à-vis de ces personnes. Et vous vous dites quoi? Oh. Toi chercher les gens. Ah il faut avoir une boussole pour ça, d'accord. Et c'est écrit quoi là? Chemin vers les gens, très bien. Bon j'ai les gens, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec les gens. On va voir s'il y a quelque chose d'écrit derrière la boussole, très bien. Bon. Bah on va peut-être partir à la recherche de ces trucs qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Oh il y a des trucs écrits sur le piédestal. Va chercher les gens, tu es un idiot, d'accord. Bah c'est dithyrambique hein ici. D'un coup ils ont l'air super contents que je cherche ce que j'ai nommé Jean. Ah c'est pas un piédestal, c'est une sorte de colombier on dirait. Et des fois ils sont pas du tout fans de l'idée que j'aille chercher ce truc là, d'accord. Et là si on vient ici, on revient ici, d'accord. Bah parfait, on a fait une petite boucle. Disons il y a un chemin qui mène vers ces gens. Si tant est que ce soit des gens.
et on découvrira ça au prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. Et si c'est le cas, ou je n'étais pas un petit pouce, à commenter, partager et à vous abonner, c'est pas fait. On se dit rendez-vous pour un prochain épisode. Allez, à toutes!